Allez, tu vas prendre le meilleur départ. Ah, il a été extrêmement costaud hier. Pachi Gela qui tout de suite embraye. Et il va d'ailleurs très très fort. Pachi avec son numéro 13. Ça se relaye tout de suite avec le numéro 10, David Morel et Vinalda. Daniel Milagros. En deuxième position, eh bien, c'est le deuxième numéro 18, Simon Lorca. Ça remonte encore avec le dossard numéro 6. Et 6, c'est Manel Pérez. Dorian en quatrième position. Il se fait passer par Patrick Bella. Il prend sa roue. À la mort du dernier tour, nous avons toujours Simon Lorca. Pachi qui fait une véhicule pour l'instant. Il essaie de prendre la vitesse, qui prend l'intérieur et qui passe très très facilement. Pachi qui est là. Les autres. Parti. Et là c'est Charlie Buche qui lance ce petit monde. Ça lance très très fort. Il sait qu'il y a aussi pas mal de sprinteurs. Et donc il va jouer la qualification autant qu'il a lancé très très fort ce semi-mètre. Tout de suite repris par le allez. En deuxième position, bien cette dossard numéro 42, Johan Guérandron. On a toujours Charlie. Nous avons passé en deuxième position dans la roue de. Allez. Charlie de Roller de France. Johan Guérandron toujours en tête. Charlie qui reprend relais à un tour de l'arrivée. Un petit domino en embuscade. Mathieu Barisson a fait la position, le relais de monde. Et c'est la mort du dernier tour qui va aller chercher la qualification directe par la première place. Timothy qui lance de loin, qui passe intérieur. Et effectivement, je pense que ça va être difficile de rattraper. Allez, Yohan! Allez, jusqu'au bout! Timothy Lugnon qui se qualifie. Les autres ont tort. Là, c'est Nolan Médiaf qui lance la très fort cette échappée pour cette semi-mètre. Allez, tu vas aller. Dernier appel pour les poussines, pardon. Dernier appel pour les poussines en chambre d'appel. Les poussines en chambre d'appel. Qui prend son relais. Théo Mavdar en troisième position. Lucas Paulvaux en quatrième. Il va repasser en troisième maintenant. Nolan il a repris la tête de la course. Nous sommes à deux tours de l'arrivée. Théo Mavdar en deuxième position. Avec qui va aller chercher la qualification directe. Allez toi, allez. Lucas, il fait l'intérieur. Nolan. Allez toi, allez. Essayez de reprendre la vitesse. Et c'est Théo qui va venir s'imposer. Allez là, c'est parti, c'est la bonne.
Et là, c'est Mathieu Bédouard qui danse tout ça. Mathieu Bédouard avec Gustav Bédouard et Martin Bédouard qui a eu le compte en troisième, en quatrième position. Et donc, Mathieu, Gustav, Martin. Ah, je pense qu'ils ont décidé de rouler. Les deux frères qui vont essayer de passer tous les deux. Il y avait eu un faux départ donc, pour le dessin numéro 39 tout à l'heure. Martin qui reprend le relais avec Mathieu, qui était en troisième position. Voilà, c'est très rapide, hein. Ça ne se regarde pas. Ils savent qu'ils peuvent tous passer autant. Si ça roule correctement, Mathieu qui reprend le relais, tout ça en deuxième position maintenant. On va arriver dans le money time à un tour de l'arrivée. Toujours Mathieu, Gislain, Martin. Martin qui recolle, il y a un petit trou. Allez, on va arriver au dernier virage. Qui va aller se qualifier directement par la première place? Est-ce que c'est Mathieu? C'est Gustin qui va aller se qualifier directement par sa place. Allez, c'est parti. Et là, c'est Enzo qui lance la machine. Mathis, tout de suite dans sa roue. Raphaël Reda. Enzo qui laisse passer Mathis, Raphaël en deuxième position maintenant, Enzo qui se replace, en troisième position c'est le dossard numéro 41, Victor Bonnet. Mathis Rocher, qui était très très fort hier sur la course à points. Raphaël Reda qui prend le relais, Mathis Rocher, Enzo Darnac, Victor Baudry. Allez Enzo, faut y aller, Il reste deux tours sur la ligne. Toujours Raphaël Reda, Mathis Rocher, Enzo Darnac, Victor Baudry, Raphaël qui se replace en quatrième position. Allez Victor, allez Et toujours Mathis en tête hein, qui va partir pour le dernier tour. Enzo Darnac en seconde position, il relance Mathis. Allez Mathis! Allez Victor, allez! Il va y avoir entre Mathis et Enzo, mais ça va être Mathis qui va l'emporter. Meilleur départ pour le dossard numéro 45, Pedro Figueiredo. Allez, Benjamin et Benjamin à la chambre d'appel. Benjamin et Benjamin à la chambre d'appel. Quentin qui reprend le relais pour essayer d'avoir un tempo régulier et d'aller chercher une qualification en temps. Quentin Giroudou, le relais de monde. Hugo Morin dans sa roue. Qui maintenant a pris le relais et qui s'en va vers la victoire de cette série. Hugo Morin qui se qualifie donc directement.
Et là, c'est Hugo Gérard qui a pris le meilleur sur Louis Colin pour l'instant devant Erwan Sola. Et Benjamin, s'il vous plaît, à la chambre d'appel. Benjamin, à la chambre d'appel. Louis Colin qui prend le relais. Erwan Sola en seconde position. Erwan Sola qui avait jeté lourdement à Burak et qui est donc reparti. On avait même cassé son casque. Louis Colin toujours en tête. Claude Erwan qui prend le relais, nous sommes à 2 tours de l'arrivée. Olivier Dibenskov du Danemark qui est en seconde position. Hugo Gérard qui reprend la deuxième place, lui en troisième position. Allez, c'est la cloche sur la ligne. Qui va aller chercher la qualification directe? Hugo Gérard qui fait la corde avec Louis Colin. Hugo Gérard à l'avant-dernier du virage du Grand Prix. Louis Colin dans sa roue. Allez, 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 allez. Et ça relance très, très, très fort. Avec un magnifique lancer de patin, je ne sais pas qui est le Béloir qui lance 5 mètres, toujours avec Dustin Pellicone et Martin Béloir. On prend les mêmes, on recommence là pour le coup. Théo qui a pris un petit coup, qui va tâcher de rebouger ça. Allez, Raphaël et Timothy Domino. On a Lucas qui perd la marche. Simon Lorca. Maintenant qu'il ferme la marche à son tour, toujours Dossin en tête, Martin Béloir, Mathieu Béloir et Théo. Et Timothy qui ne s'affole pas, qui est dans la roue de Rafa, ça va rentrer. Et Martin qui s'envoie pour essayer de travailler autant. Martin, Mathieu, Gustin, Théo, et c'est maintenant Mathieu Benoît, Gustin Pellicone et Léo Nacar. Qui vient se replacer en 4e position à la bord du dernier tour, qui pique corde et qui vient en 2e position, 3e position pardon, Gustin toujours en première, et c'est Timothy qui vient en discuter de la place. Et c'est Timothy qui viendra se qualifier directement devant Gustin et Mathieu Malois. Et Mathieu. Et Dossard numéro 11 qui lance le pack, qui regarde ce qu'il n'a pas fait de trou. Ah, ça peut vraiment collaborer. Baptiste Rocher qui va prendre son relais. On sent qu'ils veulent collaborer pour aller chercher le meilleur temps. Baptiste Rocher, le normal, le bon moment. Et là, c'est Hugo Morin qui relance la machine. Enzo qui a pris un coup de pouce. Et ça relance. Et là, c'est Hugo qui est parti. Ça m'a deux tours, là c'est Patrick Bella qui s'envoie maintenant. Allez, on va voir maintenant s'envoyer. Ouais, c'est la première place. Car là, Patrick va-t-il réussir à faire le comeback? Maintenant il n'est pas gêné parce qu'il n'y a plus personne. Il fait une cuve. Hugo Morin. Toujours en tête. Hugo Morin, Patrick Bella. Allez, c'est Hugo Morin, Pachi. Et c'est parti. Allez. On va pas parler de plus en départ, mais c'est Mathieu Béloir qui a pris la tête. Hein. Et le commandement de ce 1000 mètres devant Pachi Béloir.
Allez, tout un temps, on les regardait les plus jeunes, ces patineurs. Maintenant, ils sont finis à 2000 mètres. Ah, ça donne des frissons. Un tout jeune patineur aussi, qui a déjà sa place parmi les grands, bien, c'est Mathis Rocher, Dorian Macquerie, qui perd la marche, Mathieu Belloir, Patrick Bellard, Hugo Gérard, Hugo Morin, pardon, Timothy Domino, Gustave Pellicone, Dorian Macquerie, Mathis Rocher. Ah, ça, la lune monte de plus en plus. Nous sommes sur la ligne, il y a deux tours de l'arrivée. Mathis Rocher qui fait l'intérieur, qui va chercher la deuxième position. Patrick qui reprend la position, qui va piquer corde Mathieu Belloir, qui le reprend. Ah, quel bel échange, le coup. Et là, c'est Patrick qui déroule toute sa place. Et là, il ne va pas être aidé pour faire la tour. Puisque là, ça n'avait pas duré. Si bien que ça arrive là. Sur la tube, il est magnifique. Allez, encore une tube pour Patrick Bellard. Je vais être public. C'est en liesse avec sa crie. Ah, il éclabousse de toute sa classe cette compétition. Patrick Bellard qui va prendre le dernier lion. Et oui, c'est un avion. Patrick Bellard. Devant Hugo Morin et Timothy Zidane. Ah là, je crois qu'il nous a fait chaud. Et il nous a...